7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Après avoir reçu la ministre de l'Éducation Théafrogy hier matin pour la rentrée, nous recevons ce mardi matin Diana Yenko, secrétaire générale de la Fédération INSA Éducation. Diana Yenko, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler bien sûr de la rentrée scolaire, des difficultés rencontrées euh, principalement par les enseignants du premier, mais aussi du second degré, et aussi des annonces faites par la ministre de l'Éducation et le vice-recteur. Commençons d'abord par la rentrée scolaire d'Anayenko, et puis tout simplement par le début, c'est-à-dire le transport scolaire. Il faut bien aller à l'école, et depuis plusieurs années, les élèves polynésiens sont confrontés à ce problème de transport. Est-ce que selon vous, le pays ne prend pas suffisamment le problème à bras-le-corps alors, tout d'abord, je voulais saluer tous les auditeurs de Polynésie Première. Et puis, pour répondre à, à ta question, Marouki, je prends que le, tous les gouvernements successifs ont pris le, le, le problème à bras le corps. Mais moi, je pense que ce qu'il faudrait vraiment euh, euh, verrouiller, c'est le suivi, le contrôle dans ces bus. Parce qu'effectivement, euh, lorsque j'étais directrice d'école, les parents d'élèves venaient me signaler euh, un manque de, de convoyeurs. Etc. Je pense que c'est le suivi et le contrôle qui n'est pas fait correctement ou suffisamment. Pourtant, la problématique n'est pas nouvelle. Comment on peut expliquer le fait que une solution n'ait pas encore été trouvée, une solution correcte? Je pense que le, le nerf de la guerre, c'est l'argent, à nous dire. Mais je pense aussi que ben, on a de plus en plus d'enfants qui, qui utilisent le, le, le transport scolaire, et donc il faut multiplier le nombre de transports en Polynésie française. Est-ce que euh, ce problème de transport scolaire peut avoir euh, des répercussions sur la motivation de l'élève quant, quant à son intention de venir à l'école? Tout à fait, tout à fait. Un enfant qui doit angoisser dès le matin, qui doit se lever de très bonne heure et qui risque de de rater le bus, je pense qu'on n'a pas mis toutes les bonnes conditions pour qu'il passe une belle journée. Ça peut être un des motifs de décrochage scolaire. Tout à fait. D'accord. Quid de l'école d'Apatéa, désormais à Papara, Diana Yenko, les enseignants et les parents d'élèves se plaignent des conditions dans lesquelles les cours sont donnés. Ça fait plusieurs années maintenant. Ça va continuer ainsi encore une année entière? Alors, c'est vrai que c'est un problème qui date depuis au moins trois ans. Euh, à l'époque, nous avions estimé déjà euh, dispatcher les classes dans les écoles existantes. Et euh, donc, le Conseil des maîtres a décidé de, de rester dans, dans les alentours et ils avaient trouvé un consensus avec euh, les, le, le, les, les catholiques juste à côté. Malheureusement, euh, l'école n'a pas été reconstruite dans les temps prévus et que la situation s'est dégradée. Aujourd'hui, la rentrée, on s'y est attaché au mois de juin. Il, il reste encore trois classes qui sont dans les locaux de la paroisse catholique et qu'ils vont déménager incessamment sous peu. Alors c'est une, une situation qui doit être temporaire, le temps de la construction de la nouvelle école d'Apatéa qui devrait voir le jour euh, en 2018. Ça fait quand même plusieurs années que cette solution est temporaire. Alors vous savez, on est victime. Je, ça, ça explique en partie euh, ben, le changement de de de, de la mairie, euh, euh, le changement de gouvernement. Il faut refaire les dossiers. Un coup, on avait les autorisations. Un autre coup, on n'avait plus. Enfin, vous voyez, les choses évoluent et il faut qu'on soit très réactif. Et je crois que c'est ce qui a manqué euh, ben, à, à nos décideurs. Vous êtes syndicaliste. Quelles sont les remontées que vous avez des enseignants d'Apatéa actuellement euh, pour, pour cette rentrée scolaire, je n'ai eu que des remontées des trois classes qui sont restées sur site. Pour les autres, j'attends de voir dans les jours à venir. En tous les cas, les collègues des autres écoles ont, ont, ont accueilli les enseignants, euh, je pense, de, de, à la polynésienne avec beaucoup de cœur. Donc on verra bien euh, si, si la situation perdure parce que c'est vrai qu'on a on a comment dirais-je euh, on a quand même agrandi le, le, les effectifs des écoles donc mm -hmm. il y a aussi des problèmes de sécurité à assurer etc. D'accord parlons désormais du décrochage scolaire Diana Yenko est-ce que le décrochage scolaire est récurrent quand même dans le premier degré ou c'est seulement dans le second degré le décrochage scolaire, il est beaucoup plus flagrant dans le second degré puisque beaucoup d'élèves quittent euh, l'école euh, à partir de la cinquième quatrième, euh, ben, à partir de 16 ans, l'âge obligatoire. Euh, dans le premier degré, il, il, est, il est pas très visible. On voit quand même qu'il y a des familles nomades qui se déplacent beaucoup et après, on les perd de vue. C'est dans ce sens-là, mais c'est plutôt dans le second degré qu'on voit. Et puis, à ce sujet, le ministère, depuis deux ans, a vraiment mis des moyens pour lutter contre ce décrochage scolaire. Et on s'en réjouit, nous, au niveau des syndicats, que des efforts soient faits. Et quand Continue à imaginer des dispositifs pour ramener nos enfants à l'école. Euh, par rapport à la situation d'un enseignant euh, et au niveau de la classe, du nombre d'élèves, qui peut aussi être motif de décrochage scolaire, mais euh, pour la position de l'enseignant, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle année Est-ce qu'il y a des classes surchargées alors, pour pas vous cacher, actuellement, on a trois écoles qui nous ont signalé euh, une surpopulation euh, d'élèves dans les classes. À partir de combien d'élèves il y en a trop? Ben, je pense qu'à partir de 25-26 élèves, ce sont les, les normes hein, que nous sommes fixées. Et dans les REP+, on devrait euh, être encore plus, plus, plus attentif, puisque ce sont des secteurs difficiles. Euh, on trouve encore des classes à plus de vingt-huit, de vingt 30 élèves. C'est le cas des trois écoles que vous avez. Euh... Que, que, que je viens de, de, de signaler. D'accord. Une dernière question, Diana Ayenko. Il nous reste deux petites minutes et parlons d'un problème récurrent également, l'absentéisme des professeurs. Ça concerne principalement le second degré, mais dans les écoles maternelles et primaires, est-ce qu'on constate le même problème Alors, quand on parle d'absentéisme, tout de suite, euh, on, on, on brandit euh, nos pancartes, etc. Moi, je parlerai du remplacement, du non-remplacement des enseignants. En fait, c'est ce qui pose problème. Je pense que les enseignants sont des êtres humains, comme tout le monde. Ils, ont, ils sont malades, mais simplement le problème, c'est de les remplacer. Il n'y a pas assez de remplaçants. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse justement sur les moyens à déployer pour remplacer ben, les, les professeurs absents. La ministre de, de, de l'Éducation et le vice-recteur ont annoncé la mise en place d'un observatoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est très bien observant, mais agissant parce que bon pour observer on a toutes les données euh, soyons plus pointus dans, dans nos données et je pense qu'on pourra trouver ensemble des solutions pour lutter contre, ben, ce, ce non-remplacement des collègues. Merci beaucoup, Diana Yenko, secrétaire générale de la fédération UNSA éducation. Pour vous, le problème de transport scolaire n'est donc pas nouveau. C'est surtout un problème d'argent. Et puis, concernant l'absentéisme des professeurs, ça manque de remplaçants. Donc, c'est ce qu'on retiendra donc de votre intervention ce matin dans l'invité café. Merci encore une fois, Diana Yenko, d'avoir invité notre, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une belle journée. Merci et bonne journée à tous. C'était l'invité café 7h30 du lundi au vendredi.